sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Et on est de retour en direct de la SFCO pour le dernier match de la journée. Ce sera la deuxième demi-finale du Winner Bracket qui va donc opposer les Sensoria au Supremacy Academy. Ouais, très belle affiche en tout cas entre ces deux équipes. Deux équipes qu'on attendait en tout cas dans le dernier carré. Hein. D'un côté, les joueurs des Sensoria qui font partie des Outsiders, comme on a pu le voir aussi précédemment, les joueurs des KSK Wanted. Et justement en face, c'est un gros morceau en tout cas, les joueurs des Supremacy Academy qui font clairement partie favoris. C'est clair. Alors, je sais que le jaune se voit mal dans la feed de mémoire. Ah. Donc, on va les mettre en. Tu sais quoi, j'aurais bien mis les Sensoria en bleu et les Suprématies en rouge pour se rapprocher au mieux de leur logo. Ok, on est prêt. On va pouvoir lancer. Est-ce que les noms d'équipes sont faits? Oui, c'est parfait. C'est parti donc pour la draft. Eh bien, de cette dernière rencontre. Alors, je vous rappelle donc qu'on va donc vous offrir 20, 50 ou 200 euros de lot sur ce match. Comment ça va se passer? C'est très simple. On a donc les box SFCO qui sont juste ici. Alors avec des numéros. Donc il y en a une numéro 3, il y a une numéro 2 et une numéro 1. Hop là. Alors hop. Nickel. Et tu les ranges en plus. Hein. Juste ici. Donc comme vous voyez, 1, 2 et 3. Et dans chaque boîte figure, tout simplement un montant. Donc là, en l'occurrence, voilà, là j'ai une boîte ici avec 50 euros, comme vous pouvez le voir. 50 euros égale 50 euros de lot, donc voilà, c'est simple. On vous appelle sur Skype, vous choisissez entre la boîte 1, la boîte 2 et la boîte 3. Et puis vous repartez avec le contenu de la boîte, tout simplement. Voilà, ça c'est pour les boîtes. On va partir donc sur la game dans quelques instants. La draft a déjà commencé, pardon. Et puis voilà, tout simplement, on va enchaîner sur un HP. Retaliation sera le même map pool que juste avant, comme on peut le voir à l'écran. HP Retaliation, SND Crusher, Uplink Throwback. On n'était pas allé jusqu'à HP Breakout ni SND Throwback tout à l'heure. Il y a des chances qu'on n'y aille pas non plus sur cette rencontre. Il y a des chances qu'on soit encore avec un 3-0 sur ce match, comme sur tous les matchs qu'on a eu jusqu'à maintenant sur le stream. Pronostic? Bah tu vois, moi je vais te déranger. Tu vas dire 3-1 juste parce que... Non, parce que justement du côté de chez Sensoria, je me souviens d'il y a deux events, on avait titillé une équipe des Red World Sinus et qui avait gagné 3-0 certes, HP, je me rappelle, mais c'était un HP SMD et Uplink ultra serré. Ouais, je me rappelle très bien. Et c'était un super match, je m'en souviens. Et du côté de chez Sensoria, on a changé un joueur, c'est Mastay. Avant c'était Taken, et du coup maintenant Mastay. Qui était chez Trainard Lunacy avant. Donc du coup voilà, pourquoi pas voir un 3-1 du côté de chez Sensoria. Et on va partir directement sur ce point stratégique. Moi je verrai un 3-0 à voir maintenant. On verra ce que la game nous dit un petit peu plus tard. En tout cas, la game commence directement. Et les Sensoria qui prennent le contrôle initial de cette attaque. Ouais, par l'intermédiaire de Watson, mais qui va tomber sous les balles de Dynasty, qui peut s'emparer de ce point. Et on va utiliser les explosions des véhicules, hein. C'est très intéressant de voir ces stands balancer en tout cas sur ce point pour en tout cas faire exploser ces véhicules et chercher les bons kills et repousser les adversaires.
Exactement, les suprématies qui sont repassés devant au niveau du score. Mais Watson là qui fait un plutôt bon début de carte, j'ai l'impression, de sortir un bon double kill, triple kill même de la part de Watson, là, qui permet à son équipe de récupérer les 10 prochaines secondes dans ce point. Et on va directement s'orienter vers le P2 pour la transition, comme on peut le voir, avec ici Senka qui essaye de prendre le contrôle du market. Ouais, c'est bien joué de la part de Senka, car voilà, quand on push au niveau de ce market, c'est vraiment la rotation qui est importante, parce qu'on le sait très bien que ce P3 est à l'autre bout, est au niveau de ce marché. Qui contrôle au niveau de ce marché, c'est le spawn, la rotation. Donc, du coup, voilà, c'est très important et les joueurs des Sensoria l'ont bien compris. Ils vont aller chercher le très bon moins 3 face à une équipe des Suprématies qui semble en difficulté pour le moment. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, Watson qui est notamment une des causes, des raisons des difficultés hein, des Suprématies dans cette carte, puisqu'il est déjà en 6-1, série de 5. Il a déjà des streaks et malheureusement, il n'aura pas cherché le Trinity, puisqu'il aura vient de calmer les ardeurs des joueurs Suprématies avec, enfin des joueurs Sensoria, pardon, avec un très bon double kill. Ouais, ils sont bien positionnés au niveau de ce middle cart par l'intermédiaire de Hydra. Dynasty en train de scorer les points pour son équipe. Il se rapproche tout doucement d'une équipe des Sensoria qui avait fait pour le moment un très bon start. Mais voilà, la Dynasty est restée vraiment très solide hein, face à Watson qui a tenté de lancer un bon pick, mais ça n'a pas fonctionné. Masté vient de tomber à son tour encore une fois sous les balles somptueuses de la part du Dina avec un shoot vraiment draconien. Et le travail des Suprématies est parfait. On l'a vu, hein, les Sensoria qui avaient surtout capitalisé grâce au P1. Ils avaient fait voilà, un très très bon travail. Et là, non seulement les Suprématies ont réussi à bien score sur le P2, mais ont en plus la rotée de P3. Viennent de réaliser 2 kills, 3 kills et 4 kills. Et du coup, maintenant, ce sont les Suprématies qui vont scorer tranquillement. Les Suprématies, je les comparerais vraiment à un diesel. Voilà, on prend le temps de prendre la température de l'adversaire et ensuite on enchaîne. Et là, on voit la barre des filles qui est complètement rouge. Seul Master après, arrive à prendre un bon kill sur Dynasty, mais on attend bien du côté de chez Suprématies. Et les joueurs des Sensoria sont en train de prendre quelques bons kills. Attention, ça va peut-être suffire. Voilà, ça suffit du coup du côté de chez Sensoria. On arrive à break ce point et on a énormément de retard, c'est-à-dire 25 points de retard, 20 secondes à scorer. Les joueurs des Suprématies seront toujours devant leurs adversaires des Sensoria à la fin de ce P3 et la rotation P4 bien entamée par les joueurs des Suprématies. Exactement, un peu moins de 15 secondes d'écart entre les deux équipes. Les joueurs des Sensoria qui sont bien revenus hein, grâce aux 30 dernières secondes de ce P3, on a pu le voir. Bon kill ici de la part d'Hydra qui va se retourner, hein. Il sait que ça va arriver du P3 forcément. Et le duel est important pour Hydra, il va switch et malheureusement il va tomber sur le bal de Mastey. Mais pas de panique, pour le moment les Suprématies sont en place, notamment SNK. Qui avait fait un kill juste avant, Yuzel qui enchaîne, il est au niveau du but. Je te propose peut-être de les écouter un petit peu, ces Suprématies justement dans ce point stratégique pour le moment. Ils sont en train de mener d'une trentaine de points, notamment grâce à ce fameux P4. J'ai scouté, t'as scouté les snipers. Sors, push, ça. J'ai les 4 par le U, moi. Il y en a un. Laisse faire. Un P1, il va U maintenant. Il est mec. Je suis avec toi, je peux. Ça arrive, GP2. Je suis plate, moi. Fais le grand tour, 5K. Ouais, vas-y. Balle, vas-y, balle à droite, une balle à droite. Deux, à droite. Non, plateau. Plateau, y'a Vista, Ah oui, d'accord. J'ai spawn P2, j'ai spawn marché. Plate, y'en a un qui arrive, P1 là. Fais toi, 5K. Brontienne, et un plate. Un Brontienne et un plate. Carme à gauche, Brontienne et. Ouais, t'inquiète. Faut le tuer, c'est important. Il est mort, Brontienne. Non, plateau! Bon, bah, bon. Super, dernier point. Il est plate. Plate, ah ouais, mais il est sorti, wesh. Il a une balle. Ça arrive devant vous. Vas-y, super, ok. Vas-y, flanque. J'arrive, t'es dans le point. Une balle, j'ai pris shoot, une balle de ouf. Il est gauche. Je suis mal. Un plate. Dans le point, il est 8. Il est côté plateau, dans le point. Côté broken. Ah, dommage. Putain, ça me casse les couilles cette mec. Je suis sur le point, Un cimetière. J'ai spawn côté bus. Il est pas chaud. Vous l'avez tué wall? Y'en a un wall là, vous l'avez tué ou pas wall? Ok, parfait. Il est mort. Nice, super, ça arrive, faut prendre. C'est le dernier. Oui, côté 8. Il est mort, j'ai le point. Il va aller plate, je crois. Comment est-ce que vous avez super? J'arrive broken moi. Vacu. Esper. Vacu, c'est en train de. Il fait quoi? Deux, ils sont deux. Un mort. J'ai de ton côté. Je suis une balle. Oui. Un qui prend le wall, s'il te plaît.
J'ai pris une gruche, une balle, aidez-moi d'en prendre. Une balle, nice. Encore front, un. Front. Encore un front, encore un. Nice, bien joué, Dino. J'ai l'ol. Y'a qu'un front, mort. J'ai la rota. J'ai la rota. Il est front, il est front wall, front wall. Garde le wall. Non, je rota pas. Ok. J'ai dit, c'est ma garage. Un garage. Non, il est wall, l'ancien, wall, l'ancien. Garage, nice. Moins deux, il reste dans, vide, vide, vide. Ça a spawn pont, Faites gaffe à votre back market, hein, j'ai pas. Mais non, ouais, je. D'accord, je vais faire l'ancien. Ancien. Il est mort, ancien. Allez, 186 à 92, à peu près 90 points d'avance à l'avantage des suprématies. Et bah voilà, c'est vrai qu'individuellement parlant, on le voit, ça avait pourtant si bien commencé par les Sensoria. Là, c'est vrai que les suprématies ont, bah, encore une fois, voilà, accéléré le rythme et ont laissé les Sensoria loin derrière eux. Et Dynasty qui est en train de s'envoler tout simplement dans cette carte 18-10, série de 7. Et les streaks qui commencent à être débloqués de sa part, il a bientôt son camo également. Ah, c'est vraiment important, hein, les streaks à utiliser. On peut le voir encore une fois, un bon kill de Dynasty qui vient débloquer tous ces kills streaks, qu'il a important en tout cas pour les joueurs des suprématies qui vont rentrer sur le point maintenant. Encore une fois, c'est Dina qui se met à l'œuvre. Série de 9 maintenant, plus rien ne peut l'arrêter. Hein, le joueur des suprématies, va-t-on réussir à le stopper? Les joueurs des Sensoria sont en train d'essayer, mais ça ne fonctionne toujours pas. Dynasty et Hydra qui sont en train de préparer la rotation maintenant. Et plus de 100 points d'avance pour cette équipe des suprématies face à une équipe des Sensoria qui est en train d'accuser le coup. Ouais, ça a démarré d'un coup et ça va trop vite maintenant pour Sensoria qui ne peut plus rien faire. Et attention, le point cathédrale maintenant qui démarre, hein, le point cimetière, appelez-le comme vous voudrez, mais en tout cas c'est le point des suprématies pour le moment dans cette HP rétaliation. Comme on peut le voir, 230 à 102 et malheureusement on est loin, on est très loin côté Sensoria et Watson va s'écrouler ici au niveau du wall. Mastey qui tombe également, 10 secondes restantes. Le joueur le plus proche pour pouvoir contester Ozox, mais Ozox il est pris au piège par les joueurs des suprématies, il est coincé au niveau de ce P1 et ça va être la victoire, 250 à 102 à l'avantage des suprématies. Un diesel hein, quand même en suprématie, ça met du temps mais quand ça démarre, on l'arrête. Un vrai rouleau compresseur, après on les arrête plus, les joueurs des suprématies Academy qui ont vraiment fait un point stratégique dominé. En tout cas, est dominant face à une équipe des Sensoria qui a accusé le coup après dans une deuxième partie de points stratégiques où ils ont vraiment lâché prise face à une équipe favorite en tout cas. C'est clair. 1 à 0 du coup à l'avantage des suprématies. On va enchaîner sur une SND Crusher, je crois. Si je me souviens bien, on va pouvoir donc continuer. Mais en tout cas, voilà, 250-102, un score. Un score large, un score net infligé donc par les SY sur cette carte. Ouais, vraiment les joueurs des Supremacy Academy qui ont vraiment fait le travail en tout cas face à une équipe des Sensoria qui a tenté de belles choses mais ça n'a pas forcément très bien fonctionné en leur faveur et maintenant il va falloir se relancer sur une SND Crusher qui risque d'être d'autant plus compliquée pour ces joueurs des Sensoria même si ils tentent de belles choses. Voilà, ça ne fonctionne pas forcément toujours et là maintenant il va falloir que ça réussisse pour ces joueurs des Sensoria. Exactement, on attend Watson et Hydra et on pourra lancer directement cette carte. Alors, Hydra qui vient de se mettre prêt. Ouais, les scores sont là. Et du coup, 9 kills pour Mastey et 7 kills pour Ozox. Ozox, hein. Ouais, c'était 7 c'était kills compliqué. En 7 minutes, hein. C'est compliqué, même quasiment 8 minutes. On dirait moi qui joue Limita. Ça va, t'as de l'autodérision quand même. Ah mais en face c'était pas suprématie. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, il faut, c'est peut-être pas une méforme de la part des joueurs des Sensoria, mais un hype. Ouais, aussi. Une bonne hype pas du côté qui en face. Hein, quand on regarde les scores, voilà, ça se ressemble beaucoup hein, du côté des scores. C'est vrai que c'est Dina qui a vraiment survolé cette carte. 25-10 avec une 38 dans le point. Voilà, il a fait vraiment le café comme on dit. Café crème pour les joueurs de suprématie. Et du coup, on va attendre maintenant Watson qui se mette dans son équipe pour pouvoir lancer cette carte. Du coup, je crois que tu n'es pas en codecast là. Non, je ne suis pas en codecast, effectivement. Et il faut inverser. Il faut changer les couleurs des équipes. Et on va attendre le dernier joueur justement des Sensoria pour pouvoir lancer cette carte. Et on va attendre patiemment. Et est-ce que justement. N'hésitez pas à interagir avec nous sur le stream de la SFCO sur le chat. Est-ce que vous voyez cette équipe des Sensoria aller chercher cette carte, une SND où tout peut arriver, on le sait vraiment. C'est vraiment l'un des seuls modes où tout peut arriver. Est-ce que justement ces joueurs des Sensoria vont avoir le potentiel d'aller mettre une carte à cette équipe des Suprématies qui ont vraiment fait une très grosse domination sur le point stratégique rétaliation. En tout cas, nous le serons dans quelques instants. Et là maintenant, c'est au tour du draft. Et est-ce qu'on va avoir des Centurions, des Turbos?
bah, des centurions. Apparemment, pas de turbo. Pas de turbo pour le moment. Voilà, du classique SLM, centurion, blindage et camo, comme sur beaucoup des SND. En tout cas, on va partir sur bien cet SN décrocheur d'ici une petite minute. Voilà, vos pronostics, c'est toujours pareil, c'est sur le hashtag SFCO Live et sur le chat évidemment de notre stream Twitch. N'hésitez pas à faire tourner. Je vous rappelle qu'on a au total 270€ de lot à vous faire gagner sur l'ensemble du week-end. Un lot, enfin 20€ de lot, plus 50€ de lot, plus 200€ de lot en forme de package. Le premier lot sera à gagner à la fin de ce match. Je vous rappelle le concept, vous avez 3 boîtes, vous choisissez entre la boîte 1, 2 et 3. Figure dans ces 3 boîtes réparties aléatoirement 20€, 50€ et 200€ de lot. Si vous choisissez la boîte à 20€, vous avez 20€ de lot, etc., etc. Vous avez compris le concept. Ça se joue au hasard évidemment. Donc voilà, tout simplement, on va partir dans quelques instants sur cette SN des crushers avec des suprémations, confiance et des sensoria qui, à l'inverse, doivent être un petit peu au fond. On les écoutera évidemment pendant cette SND. Mais voilà, en tout cas, une belle perte de la part des SY qui nous montre aussi voilà, qu'ils sont présents et pas pour n'importe quoi, j'ai envie de dire. On n'est pas venu là pour enfiler des perles du côté de chez Supremacy. Et ce qui les intéresse, c'est le top 1, hein, je suppose, du côté de chez Supremacy Academy. On est vraiment venu pour accrocher une nouvelle coupe, en tout cas, à leur armoire, du côté de chez Supremacy Academy. Et on va partir d'entrée de jeu avec une attaque, avec Senka en possession de cette bombe. Et on décide d'attaquer un BPA, tandis que tous les joueurs des Sensoria sont en train de défendre le BPB. Ah, Senka qui va directement poser la bombe, mais ça va être un free plan 4v4 hein, maintenant. On essaye un petit peu de s'envoler là du côté de Yuzel et de Hydra qui vont prendre leurs ailes sur la carte et qui vont s'étaler un petit peu pour avoir le plus de contrôle possible sur l'ensemble de cette map. Et c'est Jina qui va prendre le first kill. Attention ici, on va pouvoir enchaîner ici du côté d'Hydra sans problème. Il a continué après Shotoka où il serait suivi. Situation de 4v2 désormais. Et c'est Watson et Axiom qui se retrouvent tout seuls. On tente la Ninja Diffuse ici, je pense que ça passera pas. Voilà, Yuzel qui a été vigilant. Et du coup, 1-0 à l'avantage des Supremacy. Et on a pu le voir, cette bombe posée par Senka, très loin de la bombe, et reculée ensuite. Et ils avaient un visu sur la bombe, donc du coup c'est une bonne phase en tout cas utilisée par les joueurs des Supremacy Academy de poser la bombe de telle façon de pouvoir reculer en tout cas, et prendre les informations, et avoir moins de secteurs à couvrir sur une équipe des Sensora qui s'est vue complètement dépassée en tout cas sur cette première manche. Exactement, 1-0, et du coup, maintenant les Supremacy vont devoir défendre dans cette deuxième manche, et ce sont les Sensoria qui attaquent avec Mastey notamment qui porte la bombe, qui après shot, il a tout de suite donné une information, attention aux Ox, heureusement qu'il est dans les parages, va réussir à couvrir son coéquipier, situation de 4v3 à l'avantage des Sensoria. Et maintenant situation de 3v3, Senka vient de prendre le meilleur sur Watson, et Mastey que va-t-il nous proposer? Il est en train de tergiverser légèrement sur ce BPA en tout cas, et attendre en tout cas de prendre des informations. Il vient de prendre une information sur un adversaire qui était positionné au niveau de ce U. Ce n'est autre que Senka qui va jouer un peu le trouble fait, et du côté de chez Sensoria on a décidé de rotate par le back au niveau de ce BPA. Toujours ça bouge pas pour le moment, situation de 3v2, alors que pourtant les Sensoria auraient dû essayer de capitaliser sur cette open kill, mais ça reste le seul kill qu'ils ont réussi à prendre jusqu'à maintenant. Toujours 1-0, toujours 3v2 pour le moment. La situation se stabilise un petit peu hein, dans ce round, et voilà, Mastek qui va peut-être essayer de débloquer la situation en faisant tout le tour ici. Attention, Senka qui les attend au tournant, hein. Il va avoir du boulot là évidemment si ça vient dans son viseur. Apparemment on tente le flank et on va partir sur le BPA du côté des... Non, sur le BPB pardon. Ouais, c'est bien ça, sur le BPB, du côté des Sensoria, les Supremacy qui n'ont pas rodé, qui ont en tout cas mis beaucoup de temps. Senka qui va y aller, qui va se retrouver un peu esselé hein, sur ce BP. Les joueurs, ça va être un free kill pour lui, voilà, bonne prise de décision de la part de Senka de se diriger ici. Attention, il y a du monde au niveau du wall, Senka qui a le timing en sa faveur, il va se retourner. Et malheureusement, il avait pourtant le premier shoot, pas de souci. Hydra va le venger, 2-0. Et on peut ressentir vraiment le team play du côté de chez Supremacy Academy. On dit vraiment voilà Supremacy, mais voilà, derrière il y a un énorme travail. Ça fait maintenant il me semble 2 mois qu'ils sont tous ensemble hein, ces 4 joueurs. Ouais, Yuzel, Hydra jouent depuis ils ont joué depuis le début de saison ensemble. Je rappelle c'était chez Overtime durant la saison 1 SFCO, et Senka et Dynasty ça fait quelques temps aussi qu'ils jouent ensemble hein, il me semble. Senka et Jina, non, c'est mois de janvier en soi de base. Bon, il y avait Deliver à la place de Yuzel, du coup, donc ça c'est début de saison 2 que ça a été changé.
après. Senka et Dina, non, parce que il me semble que Dina avant était plutôt avec Redworld. Avec Redworld, ouais, c'est ça. Je dirais que ça doit faire depuis peut-être la fin de la saison. Hein. Mais, donc, du coup, ça fait quasiment 5 mois. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. 5 mois, donc du coup, 5 mois de train 4, mois. À 4 quasiment. Ouais, après, bon, c'est pas des joueurs qui sont fixes, on va dire. Enfin, c'est vrai que je pense que ces derniers temps, ils ont beaucoup joué à Ghost notamment. Hein, tu en parlais tout à l'heure. Parce que c'est vrai que Ghost a un petit peu fait son retour dans les mains des joueurs challenger, amateur, pro en France. Pour bah, aussi entre guillemets déjà se rappeler des bons souvenirs, puis aussi se préparer un petit peu au prochain jeu qui sera au sol, comme on le rappelle, World War 2. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'ils ont eu, ils auraient pu beaucoup mieux se préparer à ces différents événements. Attention, ici on l'a vu, hein, le joueur grâce à l'oracle va réussir à s'en sortir vivant. Yuzel, situation 3v1. Ouais, maintenant il va directement exploiter son adversaire. Les joueurs des Supremacy Academy qui sont en train de dérouler face à une équipe des Sansaria qui est en train vraiment de sombrer depuis le point stratégique où il n'arrivait plus en fin de carte. C'est maintenant 3-0. C'est vraiment mission impossible maintenant du côté de chez Sansaria de retrouver une hype face à une équipe telle que une grosse cylindrée comme les joueurs des Supremacy. Et je te propose justement de les écouter, voir un petit peu s'ils y croient encore ou si au contraire ils sont déjà enterrés. On va le savoir tout de suite. Masti, il la connaît pas ta strat. Hein. Genre, en gros, je suis pas sur B, Master, retiens que ça. On pêche pas. On pêche pas ? Non, pêche pas. Oh, on pêche pas le caillou, genre. 2-2-2-2-2 à droite. Putain, vous m'avez 8 des balles, déjà, Luc, ouais, bah. Je suis qu'une balle. Il y en a sûrement un haut là, on est dans la merde là. Ah, derrière la bombe. Essaye de repack la bombe. Les deux watch-shot, C'est Amchal, Il y en a un haut, il la pêche. Ah, ouais, je fais pas. Il y en a deux. Il y en a un autre sur toi, encore sur toi, il y en a beaucoup. T'as v'là les kills Watson hein. Bah non, y'a un mec derrière moi. Derrière toi y'en a un vite ça. Vista derrière toi. Wesh. Enfin ils ont que des coups de timing frère. Ils ont que la vie, j'ai l'impression que c'est que de la chatte wesh. En fait c'est des CD hein. Genre l'open ils l'ont pris. Mais avez vu? Ah bah ouais. Vas-y tranquille, vas-y go, essaye de wake up. Vas-y on fait des strats de merde. Non, on fait des bonnes strats. Allez, c'est pas des strats qu'on fait, wesh. En fait, ouais, c'est pas des strats, genre. Mais en fait, ouais, je sais pas. Go courir à 4 quelque part. Go 4 en flanque à 4. Vas-y. Ouais, je prends les SMG, on va agresser. Vas-y, go. On a 4 SMG, go les agresser. J'ai passé. J'ai eu personne. Y'a personne, vas-y, go pêche. Go agresser le mec au flanque. Le mec qui garde le flanc, go l'agresser. Attends-nous, Vista, attends-nous. Ils ont du push le rocher. Dina, ouais. Mais la... Oh la dinguerie, frère. Dina, one shot. Cargo. Weak, 5 cargo, dans la bande. Encore cargo. Ah, ça va pas. Je me suis pris une dinguerie. Oh la... Eh bah, on sent que ça va pas fort côté Sensoria, malheureusement. Ça s'est entendu dans le listening également. C'est compliqué. Ouais, on sait pas vraiment ce qui va pouvoir les hyper hein, du côté de chez Sensoria, peut-être un coach, un manager, je crois qu'il n'y en a pas derrière eux justement pour leur mettre un petit coup de boost. Et là voilà, on est en train d'accuser un peu les connexions, voilà, j'ai pris un bullshit, même en LAN on arrive à le dire. Du coup c'est voilà, je pense qu'on essaie de se trouver un peu des excuses du côté de chez Sensoria et voilà, un petit peu de méforme je pense, et on n'arrive pas à se remettre bien en jambes pour pouvoir aller chercher une équipe des suprématies qui continue à enchaîner avec 5K qui fait parler la foudre avec un moins 3 même s'il vient de tomber sous les balles de Watson. Dernière envie, oh là là, et 6-0, c'est vraiment la fessée infligée par les joueurs des suprématies face à une équipe des Sensoria qui n'y croit vraiment plus. Ouais, là on l'a entendu au listening. C'était très compliqué, la SND a été une réelle formalité et malheureusement il n'y a pas eu un moment où les Sensoria ont eu leur place ou ont eu du moins leur mot à dire, pardon. Donc voilà, 6-0, la correction et pas plus de 2 kills chez les joueurs des Sensoria. Au total 7 kills en 6 rounds, c'est très très bon. Ouais, ça fait un kill par round quasiment, et c'est ouais, c'est vrai que ça reste compliqué du côté de chez Sensoria qui n'ont jamais vraiment réussi à prendre l'avantage dans une seule démanche face à une équipe des Supremacy qui ont été largement au-dessus. Et maintenant ça va être du coup un nouveau mode de jeu, une liaison sur throwback pour en tout cas soit clôturer les débats et ou justement un réveil peut-être un peu tardif du côté de chez Sensoria, même si on a senti dans leur voix que on était pas si hypé que ça. Bah dans la com, ouais, clairement, c'était même pas qu'ils étaient pas hypés, c'était qu'ils étaient déprimés là carrément, on l'a senti. Alors, il faut dire les choses comme elles sont, clairement. Enfin, on va voir. Si on réussir à se ressaisir un petit peu sur le plink throwback.
c'est ça. C'est bien ça. On attend juste que les joueurs soient prêts et on va lancer directement. Ouais, on est en train de se mettre. Bah, tout le monde est déjà prêt du coup. Et du coup, on va directement pouvoir lancer le draft entre ces deux équipes. Voir apparaître bien sûr un turbo. Ouais, c'est bien ça au niveau des équipes. Et du coup, on va pouvoir voir arriver sûrement le turbo à la place d'un centurion, comme tu le disais précédemment dans les autres casts. Ouais. Et du coup, de part et d'autre, les joueurs des suprématies en rouge à votre gauche, les joueurs des centurions en bleu à votre droite. Exactement, et du coup, bah, ça déroule côté SY et on risque d'assister encore une fois au fameux 3-0 dont on parlait avant. Voilà, deux turbos hein, de chaque côté, évidemment, pour cette uplink, c'est pas une surprise. On va partir dans la phase de draft, donc de choix maintenant des classes, création des classes, et on va ensuite pouvoir lancer donc cette uplink. Throwback qui, on rappelle, peut-être probablement la dernière carte de cette première journée. Et qui, si elle est remportée par les suprématies, les qualifierait pour la finale du winner bracket, les assurerait d'un top 3 au minimum et les ferait donc affronter demain matin les joueurs des Evenings Alcyon qui se sont défaits 3-0 également des KSK Wanted. Tout à fait. C'était un match à sens unique en tout cas que nous avons eu précédemment entre encore justement le cas, ces deux équipes et là c'est en train encore de... On a eu que des matchs à sens unique aujourd'hui. C'est une pièce répétitive, hein, j'ai l'impression. Ah, c'est incroyable. C'est toute la journée ça a été pareil, 3-0, 3-0, 3-0. Et on a eu aucun match serré quoi, c'est vraiment aucun match serré. Le showmatch. Showmatch, c'est la seule chose qui a été serrée de la journée. Et du coup on va pouvoir partir sûrement au niveau des armes, voire également deux AR de SMG de part et d'autre. En général c'est ce qui se passe depuis quelques années maintenant, de voir des jeux en tout cas où nous voyons deux AR de SMG. Maintenant les postes sont vraiment... cartes, hein. Tous les postes maintenant sont, je trouve, assez bizarres. Maintenant il n'y a plus de postes. Il n'y a plus d'air-encre, air-slayer, SMG Slayer, SMG OP comme sur Black Ops 2 à l'époque. Ça fait un petit moment, hein. Même déjà sur Black Ops 3, c'est vrai que le poste d'encre entre guillemets, j'ai l'impression c'est un petit peu effacé, même si forcément il existe toujours au fond, mais c'est plus aussi précis qu'avant quoi. J'ai l'impression surtout que en fait les joueurs se sont habitués à rotate entre eux déjà, c'est à dire que quand il y a un trou quelque part, voilà, il y a un joueur qui prend sa place, peu importe qui doit y aller. Et ça déjà c'est une bonne chose parce qu'avant c'est vrai que on avait vraiment chacun son poste, chacun faisait son taf. Là voilà, on va dire que les Français et même globalement je pense les Européens ont appris à être plus complémentaires entre eux et à boucher les trous, et ça c'est déjà un bon point hein, qui fait notamment avancer bah, ce dont tu parles, c'est-à-dire les postes. Maintenant, sur un jeu au sol, l'année prochaine, on connaît pas encore tous les game modes, on aura sûrement voilà, HP, SND, CTF, mais y a des chances que, voilà, y a des chances qu'on puisse retrouver déjà un petit peu ce format de poste qu'on avait déjà pendant les années de Black Ops 2 par exemple. Et justement, c'est l'apparition de ce jetpack justement qui a fait que les joueurs sont les mouvements sont venus plus fluides en tout cas, et ça allait plus vite. Donc du coup voilà, c'est pour ça je pense qu'on a enlevé un peu ces postes vraiment draconiens, hein, voilà, entre Airslay, SMGOP et SMG Slay. Et du coup voilà, ces jeux à jetpack ont laissé un peu la fluidité, un peu la folie des joueurs apparaître, et c'est pour ça maintenant qu'on voit vraiment des joueurs avec des grosses sensibilités, comme on pensait tout à l'heure à Cobra qui me semble sensi 14. Ouais, même à Hydra, hein, Hydra qui est une très très grosse sensi, on le sait, hein, on va pouvoir essayer. Hop. Et ouais, ça aurait été nickel dans l'action. Hydra ouais, qui va avoir un duel ici, il va faire son kill. Tranquillement, j'ai pas trop compris là pourquoi mon site il a pas surveillé son côté gauche. En tout cas, il va checker son front Hydra, il n'y a personne. Est-ce qu'ils vont pouvoir scorer? Ouais, ils vont scorer. Très bon choix là par contre de la part de Sensoria, on l'a vu sur la carte juste ici, c'est comme ça qu'on l'affiche. Ils ont décidé de faire le tour par le top justement pour passer au niveau des rails et tous rejoindre le middle pour essayer de jouer le reset. C'était vraiment intéressant sur le moment parce que je pense qu'ils savaient pertinemment que le 2 points allait être mis de la part des suprématies. Malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits, mais tout de même, voilà, ils ont proposé quelque chose d'intéressant. Même si, voilà, encore une fois, les suprématies ont su avorter cette tentative. Non, on sent qu'ils se connaissent aussi les équipes, et encore une fois, moins 4. Hein. Du côté de chez Supremacy Academy, c'est en train de dérouler. Et on enchaîne les points. C'est les points bus. Et de quoi? Alors, c'est assez surprenant, excuse-moi, hein, je t'ai coupé, mais pendant que les Supremacy étaient en train d'aller prendre le Slay, on avait des joueurs qui se trouvaient au niveau du bowling, et les joueurs des Sensoria, tous les 4 ont spawn au niveau du bus. Donc non pas côté rouge mais de l'autre côté de la carte, côté bus. Et du coup ils étaient derrière les SY en fait. C'est un petit peu bizarre, je pense qu'on a dû un peu trop pousser du côté du rail, et c'est sûrement à cause de ça que ça a un petit peu perturbé on va dire les respawns.
Mauvaise gestion des spawns du côté de chez Supremacy. Voilà, c'est rien de grave, mais ça peut avoir son importance. Il faut vite corriger ça contre des gros matchs, contre des grosses line-up comme, comme Evening. Ça peut vraiment faire la différence. Et Yuzel, oh là 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 là. Et dans cette situation, tu vois, je vois pas pourquoi Axiom vient challenge en 3ème parce que voilà, Yuzel s'est pas pris une balle sur ses deux premiers duels. Ouais. Son shoot était nickel. On a une info comme ça. Enfin, je veux dire, il s'est vraiment jeté dans ses balles. Oh là, j'ai eu peur là par contre, Mastake qui a failli se faire éliminer. Mais enfin voilà, ça déroule, hein. Côté SY, on a plus grand chose à dire. Ouais, vraiment, on est au-dessus, hein. Il n'y a rien à dire. Et on n'y est plus du tout du côté de chez Sensoria. Comme tu le disais, le move de Vista, il me semble. Ouais, c'est Vista qui a eu un move assez bizarre en tout cas. Et du coup, on continue action, de se dérouler. Action. Non, c'est Vista. Quand tu parles, quand Vista Actium, c'est Vista. Il s'appelle pardon, oui, j'ai dit Axiom, excuse-moi, my bad, oui, non, tout à fait, c'est Vista, excuse-moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit Axiom. Ouais, c'est tout à l'heure, comme tu disais, le bad move qu'il y a eu au niveau des rails, ouais, justement, tout à fait, ouais. Face à Yuzel, et du coup, voilà. On se jette, en fait, on se jette un par un, et il s'est passé pareil, en fait, hein. Quand ils ont tous les quatre décidé de laisser le 2 points marqué et de partir au niveau des rails, ils sont arrivés un par un, et ils se sont jetés dans les balles des SY, là, il y a 10-0 en 4 minutes, voilà, moi, je veux dire, les Sensoria qui, pourtant, nous ont montré de très belles choses tout à l'heure, alors certes, c'était contre les Avo. J'arrive jamais avec leur nom d'équipe. Agorassi, merci. Mais voilà, je veux dire, pour moi, les Sensoria auraient pu faire mieux sur cette applique. Après, voilà, là, les Supremacy sont au-dessus, c'est comme ça. Mais pour moi, il y avait quand même mieux à faire. En tout cas, de ce que nous ont montré précédemment les Sensoria, ils étaient capables au moins de les accrocher un peu plus. Et comme tu dis, on sauve l'honneur sur ce premier side. Ouais, ils sauvent l'honneur avec ce lancer de Ozox. 10-1, voilà, c'est. C'est l'histoire de ne pas avoir un 0, hein, je pense. Un petit 0 à la fin de ce premier side, en tout cas, du côté de chez Sensoria. Il va falloir se ressaisir dans cette deuxième mi-temps. Même si je pense que la messe est dite, hein, du côté de chez Supremacy. Du côté de chez Sensoria, on va essayer de se faire du bien moral, en tout cas, pour pourquoi pas essayer de remonter un loser bracket. Ouais, ce serait une bonne chose. Parce que voilà, en loser bracket, ils ont complètement leur place. Pour moi, ce sera eux ou en tête sur la troisième marche du podium. On en parlait tout à l'heure avec Puenta. D'ailleurs, ce sera sûrement la rencontre en demi-finale loser bracket. Hein. Ça risque d'être one titre contre Sensoria. Donc voilà, il reste encore quelques équipes en loser, notamment les Delirium, hein, de ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, voilà, ça risque d'être assez serré, je pense, hein, sur la fin de l'event. Pour le moment, voilà, ce qu'on sait, c'est que, à part tremblement de terre et exploit intercontinental, Supremacy devrait se qualifier en finale winner bracket, affronter les Alcyon. Et puis, les Sensoria devraient tomber en loser pour avoir un match avant d'affronter les KSK Wanted en cas de victoire. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors là, tu vois, ton 3-0, il est pronostiqué parfait. Laisse tomber. Je crois que tu devrais pronostiquer un peu plus. Je crois ça n'est pas sportif. Je viens de perdre 5 euros. Pour passer, tu viens de perdre 5 euros. J'ai perdu 5 euros. Ah, en Manchester bon, bah. qui toi... non. C'est le jeu. C'est le jeu. De quoi Et du coup, les joueurs des Supremacy continuent à dérouler face à une équipe des Sensoria. On est en train de prendre de bons kills encore une fois avec 5K sur Avista. Et Masté vient prendre une bonne défense. Hydra. Oh, Masté, quel bon move. Quel move de Yuzel avec ce souhait CLM. Ouais. J'ai pas très bien compris. C'était Yuzel ou Hydra, hein? C'est Yuzel, il me semble. Yuzel, c'est Yuzel blindage. Ah non, c'est Hydra. Ouais, Hydra, ouais, CLM. Ouais, j'ai pas trop compris non plus ce qui s'est passé. Il s'est peut-être bloqué contre la porte ou quoi. J'ai pas trop suivi. Mais bon. En tout cas, 11-1, donc 10 points d'avance, il y a des streaks un peu partout, qu'est-ce que ça donne là, 15-12, 16-7, 19-11, 16-6-20-11 à l'instant pour 5K là, qui est top fragger de cette game pour le moment, et seul Mastay a réussi à passer la barre fatidique des 10 kills, voilà, que dire, hein, que dire si ce n'est dommage, hein, côté Sensoria, j'ai envie de dire, voilà, je pense que là, ils doivent à moitié tenir leur manette, si tu vois ce que je veux dire, c'est sûr que quand on perd 1 au bout de 5 minutes de jeu, le mental... Il craque et là on l'a vu, hein, Hydra 11-1 ou 1-0 ou 12-1 ou 20-1, lui il arrête pas de jouer. Hein. Et c'est assez typique quand même de voir Senka qui est vraiment top fragger. On a tous l'habitude de voir Yuzel ou Hydra vraiment faire énormément de kills. Et là Senka est en train de vraiment montrer qu'il a vraiment sa place aux côtés des meilleurs. Bah ouais, c'est clair. Hein. Après Senka, c'est vrai que c'est pas le joueur qui brille le plus parce que c'est peut-être pas son rôle non plus, entre guillemets, même si ouais, tu vas en parler de rôle tout à l'heure. Clairement, chez Supremacy, on sait très bien que voilà, Dina va avoir plus le rôle où il va être un peu derrière pour Slay et pour voilà, couper les rotations, pour justement faire les rotations. Côté Hydra et côté Yuzel, on va être là vraiment pour Slay principalement. Et c'est vrai que de son côté, bah, tu vois, Senka est plus un joueur qui va s'occuper habituellement de l'objectif.
avec Yuzel, parce que c'est vrai qu'il aura un potentiel individuel qui est probablement un des plus élevés sur la scène Challenger en France. Donc voilà, c'est vrai, comme tu le dis, Senka, c'est pas le joueur qu'on a l'habitude de voir exceller ou en tout cas faire de nombreux frags, mais là voilà, je pense que sur ce genre de game, ils peuvent se laisser aller. Se laisser aller un petit peu, excuse-moi. Non, je pense qu'il y a énormément de plaisir du côté de chez Supremacy, en tout cas, c'est la dernière LAN hein, à la SFC, en tout cas pour l'opus Infinite Warfare. Et du coup, voilà, on se laisse aller, on se fait plaisir, comme on a pu le voir toute l'après-midi. Toutes les équipes étaient tous en train de rigoler, voilà, avec un grand plaisir, en tout cas. Nous avons retrouvé tout le monde pour ce dernier event. Ouais, c'est clair, c'est clair. En tout cas, 2 minutes restantes maintenant, voilà, l'échéance qui ne fait que de se rapprocher. Triple kill de Yuzel ici avec cette roquette Trinity et 12 points des 40, les deux équipes, 45, je sais plus. C'est vrai que ce genre de games sont pas forcément très très faciles à commenter parce que bah on a vite fait le tour quoi, quand on voit que le score est aussi mirobolant que ça, ça devient vite compliqué quoi. Et du côté de chez Vista maintenant, on vient de se réveiller, on fait un bon petit moins 2, on va ouvrir une brèche permettant à Watson de s'y engouffrer en tout cas, et on va essayer de mettre un dunk et ça passe. Du coup, le premier dunk pour les joueurs des Sensoria, trop tardif certes, mais voilà, les joueurs des Supremacy qui ont vraiment déroulé pendant plus de 8 minutes maintenant, on continue à outslay une équipe des Sensoria vraiment qui est en train de sombrer vraiment au plus bas. Dans les abysses, ouais, exactement, on va dire. On va dire ça, rien contre eux, hein, évidemment. Voilà, c'est une équipe qui s'est très bien défendue jusqu'à maintenant dans la compétition. Je pense qu'ils savaient exactement à quoi s'attendre. Un petit peu comme les KSK Wanted. Puenta me l'a dit juste avant. Voilà, on savait à quoi s'attendre contre Alcyon. Je pense que là, c'était à peu près pareil contre Supremacy. Pourtant, on l'a vu en LHP. Voilà, ils ont su montrer de bonnes choses, les Sensoria. Mais à chaque fois, c'était pas durable. Hein, c'était vraiment que ponctuel. Et là, voilà, sur cette uplink, bah, les Supremacy ont simplement déroulé dès le début pour s'assurer une victoire assez tôt dans la partie. Et voilà, ça va être le 4 tranquillement. Voilà, il reste 35 secondes, ils ont plus grand chose à faire maintenant. Je pense que les Sensoria voilà, doivent être un petit peu au fond du gouffre, mais ils vont avoir toute la fin de la soirée et toute la nuit pour essayer de se changer les idées et de revenir demain avec la tête fraîche, comme on dit. Ouais, vraiment, les joueurs des Sensoria qui ont fait leur game. Voilà, la marche était trop haute hein, du côté de chez Supremacy. On a été au-dessus et on peut le voir, le slide de Yuzel dans cette fin de carte a été vraiment somptueux. On voyait Sunkat Top Fryer et Yuzel qui nous épate avec un 31-12. Un score fleuve en tout cas pour les joueurs des Supremacy qui nous ont vraiment régalé tout au long de ce BO et qui vont sortir vainqueurs sur ce score de 3-0 et qui vont accéder à une nouvelle marche. Une finale winner bracket face au Evening Alcyon. Exactement, finale contre Evenings et bah, ce sera la rencontre à suivre dès demain matin aux alentours de 10h30, 11h30, midi et demi, 13h30. De quoi? Il y aura un match de loser avant. Ok, très bien, ok, c'est noté. Donc soyez là demain matin. Alors avant ça, on va quand même faire les boîtes avant de se quitter. Donc on va juste trouver un gagnant, on va faire une petite pause et on revient tout de suite, ne bougez pas. Peggy 18. Toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Call of Duty repart pour la Seconde Guerre mondiale. Faut qu'on remonte l'équipe. C'est parti. Salut. Franchement, qu'est-ce qu'elle te trouve ? Franchement, je sais pas. Quel étage, madame ? C'est qui le prochain ? Le boucher. Le boucher. On a besoin de tes talents. Alors ? Oh, salut les gars ! Je suis chaud. Qu'est-ce qui se passe là ? Bien. Désolé chérie, c'est la guerre.